vingtaine d'années que je me lève. Et encore là, ça va, c'est pas de bonheur. Putain, maintenant je me levais à 5h15. C'est la grasse matinée. Mais... je préfère entraîner le matin de très bonne heure. Pas de très bonne heure, de bonne heure. C'est... on est tranquille, il n'y a pas de bruit, on a le bassin. Et en plus, ça laisse une plage de repos importante entre les entraînements. Non, moi ça me dérange pas de me lever loin de là. Parce que j'ai jamais dit le dimanche soir, putain, faut que j'aille bosser demain. Non. À l'usine, c'est plus dur. Hein. Et le lundi matin, les nageurs, ils ont tous la tête des mauvais jours. Hein. C'est le lundi, le début de la semaine. En général, ils n'ont pas une gueule. Entraîner, c'est pas dur. C'est pas ça qui est dur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de gérer l'humain. J'entends ce qui se passe dans le foot, mais c'est pas que dans le foot, c'est partout pareil. On a des degrés moins médiatisés. Mais c'est pareil. C'est une question d'éducation, hein. C'est tout. En général, un champion, c'est pas un agneau. Donc si t'as plusieurs nageurs ou athlètes qui ont des égos importants, des fois, c'est pas simple. J'ai connu ça. Ah, merde. Voilà, t'as vu, j'ai oublié mon casque. Il reste 4 semaines, mais 4 semaines, c'est bon, quoi. Tu peux s'en passer les choses. Toujours arrivé avant les nageurs. Un petit quart d'heure, 20 minutes avant. Le Lagardère Paris Racing, au cœur du Bois de Boulogne, l'un des plus beaux écrins aquatiques de France. C'est ici, depuis 3 ans, que Philippe Lucas et Amaury Levaux ont rendez-vous tous les matins dès l'aube pour préparer les Jeux Olympiques de Londres. Lucas Levaux, deux des plus fortes personnalités de la natation française. En parvenant à se qualifier sur 4 épreuves olympiques lors des derniers championnats de France, Amaury Levaux, 2m03 sous la toise, a envoyé l'un des plus beaux crochets droits de sa carrière à tous ceux qui le disaient perdu pour la natation. Lucas Levaux, une relation coulée dans de l'acier trempé. Quoi qu'il arrive avec eux, pas de faux fuyants, car toutes les vérités sont bonnes à dire. Allez, on y va, la rouge. Alors, quand ces deux tontons flingueurs des bassins sont sortis, attention, tous aux abris, car ça déménage, et pas qu'un peu. Quand je lis tous ces contes des fois de journalistes, quand ils viennent me voir là, pas les mecs du milieu, parce que t'as des amours dedans, des mecs qui sont adorables, mais des fois, t'en as un qui tombe de la lune, là, un journaliste, là, alors les colliers, les bagues, les boucles d'oreilles, pourquoi vous avez fait ça? Mais 100 fois, ils te donnent les mêmes questions, sans déconner. J'ai envie de dire, mais pourquoi ta mère, t'as fait une tête comme ça, toi, des fois, mais ils sont pas bons, la plupart, sans déconner. Je donne raison à personne, je vis ma vie, c'est juste des mecs frustrés qui, voilà, ils ont toujours rêvé de faire du sport, d'avoir des médailles, et le problème, c'est qu'ils sont derrière avec un micro ou un dictaphone, et nous, on est avec les médailles, et c'est nous qui avons le bleu de travail. Après, ce qu'on dit sur moi, mais alors là, mon pauvre, tu sais, là, je m'en fous. Ouh là 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 là, c'est pas ma vie, ça. C'est pour ça, ma vie, c'est d'entraîner, mais je m'occupe pas des autres. 17 à 18 km par jour, tous les jours, soit l'équivalent en distance d'un aller-retour sur le toit du monde, l'Everest. Voilà le programme quotidien d'Amaury Levaux, vice-champion olympique du 50 mètres et du 4x100 mètres nage libre à Pékin. Il sait ce qu'il faut faire pour le résultat, quoi. Il va pas te dire, ah bah, c'est bon, on va faire de la technique, tu seras champion olympique, et puis voilà, il sait que par où il faut passer pour être très fort après en compétition. Amaury Levaux, un nageur aux qualités aquatiques exceptionnelles, dont la souplesse de bassin et de cheville lui permet d'aligner un 100 mètres, rien qu'en battement de jambes, en moins d'une minute. Les spécialistes apprécieront. Levaux, un palmarès déjà long comme un bras, et pourtant, la force d'un grand entraîneur, c'est de trouver la faille du champion. Celle qui va le toucher au plus profond dans son orgueil. Momo, il n'a jamais rien gagné. Il n'a pas gagné un titre dans une grande compétition en grand bassin. Avec le talent qu'il a, c'est pas normal.
Alors c'est pas une question parce qu'il a eu de très bons entraîneurs, mais voilà, c'est tout quoi. Je pense son truc, il a le, tu vois, il a tous les diplômes de natation qu'il faut. Mais... je pense qu'il y en a, c'est, il a un diplôme à part. C'est... Non, je pense qu'il t'entraîne justement pour que tu sois mais énervé, ben, que tu le haïsses le plus possible pour qu'après, quand tu rentres dans l'eau, ben, il se sert de tout ça pour que toi tu retransmettes tout ça dans l'eau. Ce matin-là, pour la première fois de sa carrière, Amaury souffre de crampes. Philippe Lucas en sourit. Il en a vu d'autres. 4 x 2, départ de 15. Où tu vas là? Hein? Non, c'est la première fois que je te vois t'étirer. Il arrive à te faire détester ton milieu, quoi. Le truc où t'es le plus à l'aise, il arrive à te le faire détester et être performant dans l'eau en compétition. Trop nonchalant sur les 2 mètres, les arrivées à chaque fois. Il faut que t'arrives comme une bombe, tu touches le mur. Chaque 100 mètres, chaque 50, tu touches comme... Alors on t'explique un truc. Touche vite, touche. Laisse-toi pas glisser là. On est tellement dans l'eau, on est quasiment 5h ou 5h30 par jour dans l'eau, que quand tu te retrouves en vacances, que t'es avec tes amis, ta famille, ta petite amie ou quoi que ce soit, bah viens, on va à la bouée. T'as envie de dire, cette année j'ai fait 3500 bornes, ta bouée, tu vois, tu peux te la mettre à n'importe qui, hein, tu le dis, hein, c'est vraiment... Tu peux, c'est pas que tu peux plus voir l'eau, mais c'est aller, t'es en vacances, aller dans l'eau pour aller nager, t'as même pas envie. Elle n'a pas l'habitude de forcer. Savoir se faire mal, le rêve olympique est à ce prix. Tous les nageurs le savent. La musculation, le petit dada personnel de Philippe Lucas, l'un des premiers entraîneurs de natation en France à avoir compris l'apport du travail à sec pour un nageur. Si pour lui, c'est tous les jours sans exception, pour ses nageurs, c'est 3 fois par semaine. Bon, les feux. 3 fois par semaine, même si Amaury déteste ça, surtout si Amaury déteste ça. Un très bon, c'est quoi, j'entends les gens dire « Oh là 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 là, s'il travaillait, il serait énorme. » Non, mon pote, c'est qui? C'est pas un champion. Le champion, c'est le mec qui a des qualités et qui est capable d'avoir mal, de s'entraîner, d'être dans la douleur, de s'habituer à la douleur, de dominer la douleur, savoir ce que c'est. Et si t'as pas ça, t'es pas un grand champion. Voilà. Mec, il faut avoir ce bagage, si t'as pas ça, non. J'arrive pas. Allez. 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 Il va plus loin que jamais je suis allé dans la douleur, dans l'entraînement et dans la tête, aller chercher les choses. Le chariot, l'outil de torture préféré de Philippe Lucas. Ce chariot qui le suit partout depuis ses premières années d'entraîneur à Melun. Oh putain. Laure Manaudou, Federica Pellegrini, Camélia Potek sont passés par là, le veau, idem. L'Open EDF du 7 juillet dernier. Pas vraiment un temps à mettre un nageur dehors. Dernière occasion pour tous les membres de l'équipe de France de natation de prendre des repères avant les Jeux, sans véritable pression. Dans l'eau, des promesses d'or olympique comme s'il en pleuvait, et le retour, aussi comme par miracle, de rayons de soleil estampillés à tout jamais Philippe Lucas. Un entraîneur qui marque quoi qu'il arrive votre carrière au fer rouge, et pas forcément de la manière qu'on croit. C'est quelqu'un qui a l'air dur comme ça quand on le voit à la télé, mais en fin de compte, c'est pas vraiment ça au quotidien. C'est quelqu'un qui s'est poussé les sportifs dans ses retranchements, et c'est 2 années que j'ai beaucoup apprécié. Après, ça a été un peu difficile sur la fin parce que je me blesse, mais ça a été 2 années qui m'ont beaucoup appris. On est un peu le même mode de fonctionnement avec les athlètes, et puis... On s'entend plutôt bien. Et Philippe, c'est aussi quelqu'un de très, très fidèle. Et c'est quelqu'un qui n'oublie jamais de venir te féliciter ou te glisser un petit mot quand ça va moins bien. Ou... Ouais, mais ça, c'est Philippe, ou qui demande des nouvelles de ta famille. Dans un tout autre registre, Amaury a lui aussi un côté face, amuseur et chambreur, et un côté pile, plus secret et intime. Une double facette qu'il a partagée pendant 2 Olympiades avec Lionel Horter. En natation, la relation entraîneur-entraîné est l'une des plus complexes qui soit. Il a probablement les mêmes types de rapports qu'il a pu avoir avec nous, avec moi, pendant des années à Mulhouse. Il a besoin d'être cadré et aimé. C'est pas la partie la plus facile avec lui, parce que c'est une nature, comme on dit. Hein.
le cadrage, le débordement, lui, sait faire. Hein. Bah, Philippe, il a un peu l'expérience hein, dans ce domaine. Voilà, je crois que là, il a du travail. Oh. Elle est où, ta mère? Elle est où, ta mère? Elle est partie, elle vient voir, je lui ai dit... Hein? Je lui ai dit, tu viens voir. Bah, elle est où, ta mère? Elle t'a pas rigolé quand je lui ai parlé. Hein. Bah, tu me faisais rire. Ouais. Ah. Je l'ai vu après, elle me fait, putain... Non, il t'as... est musclé. Hein. Non, hey, tu rigolais elle pas. Hein. Ah, bah, non. Alors, ta gonzesse, ça rigolait pas non plus. Hein. Comment? Ça rigolait pas. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Fais attention quand tu sors des 15 mètres. T'as bien nagé quand tu sors des 15 mètres, mais après du 15 au 25, t'as bien nagé, mais du 15 au 35, t'as tapé dans l'eau. Bon, fais attention de ne pas taper dans l'eau. Cette année, j'ai dit j'irai au jeu, je serai champion olympique. Pour l'instant, je vais au jeu. Il me reste, j'ai une virgule, et on va voir maintenant dans deux semaines. Je pense que Momo, ce qui est important, si tu lui mets une grande blonde à 1m80, une mini-jupe dans les gravins, il peut nager plus vite. S'il vous plaît. Ouais. Amaury. Ah, t'es là, toi, encore. Le ciel, on fait Roland Garros. Le lundi matin qui a suivi ce meeting, Amaury était aux abonnés absents à l'entraînement. Changement d'humeur et de ton chez son entraîneur. Amaury, il est resté coincé. Ça, les professionnels, les gens sérieux. Ça, c'est le vrai Levaux. Un peintre. Depuis le mois de septembre, j'ai dû louper une quinzaine d'entraînements, mais je les ai loupés, c'est qu'il y avait une raison. Moi, je suis professionnel, je ne vais pas voir mes enfants, d'accord? Je ne les vois pas beaucoup. Tu es pro, parce que tu as un objectif. Et ben lui, non, il ne vient pas le lundi matin. Ça, c'est pas pro. Et ça, c'est obligé de t'énerver. Il dit, bon, tu as envie de lui mettre... Mais des fois, tu as envie de lui mettre une droite. Hein. Non, mais sérieux. Hein. Il y a eu deux, trois fois où j'étais vraiment malade, où voilà, c'était pas terrible, mais après, le reste, c'est que ben, j'en pouvais plus, j'avais besoin de repos. Avec Philippe, t'as beau lui dire « je suis fatigué », il va dire « viens demain, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller ». Alors, à son retour l'après-midi, Amaury va payer cash et comptant cet écart matinal. Un de trop pour un nageur de ce calibre à deux semaines des Jeux. Quand Philippe Lucas a les abeilles, ça se voit et surtout ça s'entend. Âme sensible s'abstenir, mais la vérité du très haut niveau est là, à portée de micro. Pour jouer dans la cour des grands, oh. Il faut aussi savoir encaisser. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Mais non, mais tu fais, il y a trois fois toi, tu fais 200 là. Après, on dit, ouais, Lucas, il s'énerve. Mais c'est normal qu'il s'énerve. Imagine que j'ai que lui, l'entraînement. Il est pas là, qu'est-ce que je fais? Je tonds la pelouse, j'arrose les fleurs et je remonte dans ma bagnole. Et... Non, mais tu vois. Et pour ça aussi, les responsables de club, ils sont pas assez professionnels, ces présidents ou voilà. Les mecs, ils sont payés. Mon pote, c'est une faute professionnelle. T'as un recommandé une fois, on va pas te dire que t'as mal au ventre ou machin. C'est bon, hein. Ta mère, là, en bascule à l'hôpital, les conneries, on les connaît par cœur. À un moment donné, tu prends ton courage à deux mains, tu cherches la plus grosse embrouille que t'aies dans la tête et tu dis désolé, j'avais plus de batterie ou un machin à la con quoi. Tais-toi, d'accord? 4-26. Plein de cul, tu vois, je vais te foutre dehors, ce qui me fait chier toi. Ouais, hop! Une fois, deux fois, troisième fois, tu prends ton sac recommandé, envoie monsieur. Même ici, là, chez Lagardère, c'était comme ça. Ah bah ça serait pas la même, hein. Mais là. Et toi, tu es toujours en conflit. Tu prends dans les clubs professionnels, le mec qui va se mettre en conflit, c'est le président avec le joueur. Nicolas, faut pas lui faire deux fois la machin, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu me dis rien. Mais je te dis rien, tu t'arrêtes avant. Tu veux que je te donne les temps maintenant aussi? On recommence. Départ 2-15. Regarde cette putain de caméra, champion du monde de mes couilles là. Départ 2-15. Alors prépare-toi. 10 secondes. 2 x 2, départ 2-15. Là, j'ai compris. Et alors, tu as 2-13, t'attends quoi le bus? Sur le coup, je le déteste. Hein. Ben, je pourrais lui mettre des claques dans la gueule. Hein. C'est, je pense lui aussi. Hein. Et je pense plusieurs fois, c'est des deux côtés. Hein. C'est parti, c'est à la limite. Après, c'est quand t'as envie de dépasser cette limite, ben, tu t'arrêtes un coup et tu fais « Attends, c'est pourquoi ?» Puis après, tu vois les jeux et tu dis « Bon, allez. » La dernière chose là-dessus, c'est quand le mec il prend une veste. C'est pas de sa faute. Ah bah ben non, on a trop nagé. On est mort, on n'a pas assez à récupérer. Jamais. Ah oui. Nous, on fait tout pour qu'il soit pas bon, tu vois, le mec. Non, nous, on fait tout pour qu'il soit bon, le mec. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure. Et toi, qu'est-ce que tu branles, toi? 3-24. Oh. 3-24, tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi, toi? Tu vas conduire le car, là-bas?
Oh, je te parle. Mon intérêt, c'est que le mec soit bon. Mon intérêt, c'est que j'ai des résultats. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je dis honnêtement, parce que des fois, j'entends les entraîneurs qui disent « Bon, alors après sa carrière, je lui ai préparé son après-carrière. » Mais j'en ai rien à branler, l'après-carrière. Mais je te le dis honnêtement et je le dis devant la caméra. Parce que quand t'as subi des années, des fois, les nageurs, comment ils te font chier, si on les connaît. Hein, je veux dire, après, ouais, ce qui m'intéresse, c'est pas l'après-carrière. Hein. Arrête de nager avec les autres, d'accord? Tu l'as fait 1000 fois en compétition avec Rouault, 1000 fois. Et là, tu recommences, parce que t'as peur d'avoir mal. T'as un loser, t'es une trompette. Hein. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, toi, mon garçon? 3,24 dans les... Mais putain, même quand j'avais Pellegrini, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Mon boulot, c'est qu'il s'entraîne et qu'il soit bon. Voilà, c'est tout. Ça me rappelle mon enfance, où j'étais un peu... Ben, je faisais ça pour avec tous mes potes de mon quartier, on s'est tous inscrits au même truc. Amaury, il a fait de la boxe, jeune. Et il cherche continuellement, dans la natation, quelque part, le coup fatal. Et c'est dur en natation, parce qu'une épreuve qui, comme le 200 mètres qui est très longue, le coup fatal, vous pouvez vous le mettre à vous-même si vous gérez pas bien les choses, alors que dans un 50 et dans un 100 mètres, les choses sont plus explosives et ressemblent plus un peu à son profil psychologique. Je sais pas comment le traduire. Ouais, si ben, par exemple la natation, c'est tu vas t'entraîner super dur pour un court instant de compétition, et la boxe c'est quand même un certain sprint. Donc, puis mon tempérament est comme ça. C'est quand t'es en compétition, t'y es, t'y vas, tu tournes les bras. Quoi. Après Lionel Orter, qui l'a eu 7 ans, qui a fait du super bon boulot avec lui, il avait vite compris que bon, à un moment on va arrêter, on va le mettre sur des trucs où c'est moins long. Puis voilà quoi, mais au départ c'est un super nageant de 200. Amaury Levaux, un génie de la glisse taillé à la base pour le demi-fond, mais dont la carrière s'est dessinée à coups de poker permanent sur les distances les plus courtes. Londres ne fera pas exception à la règle, les relais et le 50 mètres nage libre seront ses seules courses. Mais avec lui tout est possible et certains sont mieux placés que d'autres pour en témoigner. Au moment où il touche l'eau et sous l'eau, c'est un dauphin. C'est qu'il a une ondulation que personne n'a. Même au niveau mondial, très peu de nageurs ont une ondulation similaire à la sienne. Et donc c'est là qu'il fait la différence. Je ne pense pas avoir croisé un nageur qui est le même package que lui en termes de qualité, en termes de potentialité. Je ne veux pas parler de ses défauts parce que ça ne regarde personne, mais je te dis, c'est un mec aquatique. Très aquatique, il va vite sous l'eau. Quoi. Sous l'eau, c'est un poisson. Quoi, tu vois. Voilà, quoi. Tu fais partie des meilleurs au monde sous l'eau. Quoi. Ma première médaille, c'est le bronze sur le 50 mètres nage libre. Et ça me fait rire à chaque fois que je repense à ça, parce que mes plus grosses médailles en individuel, c'est sur le 50 mètres nage libre. Londres 2012, dans quelques heures, le casse du siècle de la natation française. Dans sa salle de bain du village olympique, les derniers préparatifs d'Amaury Levaux avant le grand soir. Se raser pour être lisse comme un œuf et tranchant comme une lame, Levaux est toujours cette étonnante décontraction qui le caractérise. Tout ça pour ça, 10 000 km parcourus dans l'eau en 3 ans avec Lucas, pour s'offrir quelques secondes d'éternité avec 3 copains au paradis des nageurs. Amaury Levaux, premier relayeur français de cette finale d'anthologie du 4x100 mètres nage libre. Un aller-retour à bloc parmi les 3 meilleurs en 48 secondes et 13 centièmes, un temps qui l'aurait propulsé en finale du 100 mètres nage libre. Nager et imaginer qu'on va peut-être enfin s'offrir le scalp du meilleur nageur de tous les temps, Michael Phelps. Toucher le mur, puis regarder les copains Fabien Gillot et Clément Lefer s'envoler eux aussi vers le rêve d'une vie. Trembler enfin, jusqu'à ce que Ryan Lochte soit englouti par la vague du nouveau phénomène de la natation hexagonale et mondiale, Yannick Agnel. Tout ça pour ça, un suspense intenable et tout au bout de cette dernière ligne droite, la délivrance, la vraie, la seule qui compte, l'or olympique.
Un bonheur éphémère pourtant, car au jeu, tout va toujours très vite. Une deuxième médaille d'argent en relais, et quatre jours plus tard, Amaury Levaux est éliminé en série du 50 mètres nage libre, sa course. Il ne sait pas encore ce jeudi-là qu'un autre jeune Français plein d'avenir le lendemain deviendra champion olympique. Mais pour lui, ces jeux sont déjà terminés et l'heure du bilan a sonné. J'ai envie de me jeter, là. On va pas le cacher. Après, ouais, j'ai une médaille d'or et une médaille d'argent, donc ça me fait quatre médailles olympiques. Donc je suis pas, quand même, c'est pas nul. Hein. Mais ce 50, il manque le petit truc qui fait toujours plaisir. Là. C'est un mec qui est très gentil, tu vois. Mais bon, voilà, c'est mon mot. Ce qu'on a fait ensemble, c'est bien. Il a été patient et on a limité la casse un peu. Ça a quand même bien marché, on va dire. On n'est pas à plaindre. Alors, au gong du dernier round, il n'y a pas un, mais bien deux gagnants, Lucas et Levaux. Deux hommes qui, au fil de l'eau pendant 3 ans, ont su tisser ce lien aquatique, à jamais indélébile. J'ai fait mon truc. Au moins, j'ai mes médailles, moi, j'ai mes souvenirs. Et voilà. Je m'accroche pas à ce qui peut se dire autour. Le mec qui s'occupe des autres, il a perdu d'avance. Il n'occupe pas des autres. Moi, je fais mon boulot, j'aime ça. C'est une passion, j'adore entraîner. Quand j'entraîne pas, des fois, pendant les vacances, je me fais chier. D'accord ? C'est mon truc, voilà, j'aime ça. Et ce que disent les autres ? Mais je m'en fous.